steady on down the line. Lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason. Everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Yo tout le monde, c'est Précoté, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il va s'agir du report du championnat de France qui s'est déroulé ce week-end, donc le week-end du 11 et 12 juin 2016 à Chartres. Et donc du coup dans cette vidéo je vais vous faire en deux parties, donc la première partie où je vous parlerai de l'organisation et de l'ambiance du tournoi, et ensuite je vous ferai un petit peu le résumé et les reports de mes rounds. Donc voilà. En ce qui concerne l'organisation et l'ambiance du tournoi, le CDF est une réussite. Clairement, il n'y a vraiment eu aucun souci, il n'y a pas eu de retard. Sur 9 rounds, il y a eu un repairing. Sinon, clairement, ça a été vraiment nickel niveau organisation. Il y avait deux boutiques qui étaient à disposition si on souhaitait s'acheter des protège-cartes, des deckbox, des tapis, des builders, enfin tout ce qui nous manquait comme j'ai envie de dire matos pour jouer. Voilà. Après, pour ce qui est de l'ambiance, c'est bien. J'ai envie de dire comme dans n'importe quel CDF, c'est très convivial. Franchement, les joueurs sont vraiment très sympas. Donc voilà, moi en tout cas, j'ai adoré et c'était très cool. On va maintenant passer au report de mes rounds. Alors cette année, ça fait 4 ans que je fais le CDF. Donc voilà, 4 ans d'affilée. L'année dernière, j'y étais allé avec le deck Clifford. J'avais fait 5-4, donc ce qui n'était pas ouf. Et du coup, cette année, j'y suis retourné avec le deck Cosmo, donc Cosmo Feather King. Pour la petite anecdote, j'étais censé arriver à la salle à 7h30, 8h. Donc voilà, moi j'ai pris le train depuis Paris pour arriver. Et du coup, mon train a eu 2 heures de retard. Il est parti de Montparnasse à 8h du matin et je suis arrivé à la salle à 9h55, soit 5 minutes avant la fin des inscriptions. En plus de ça, il me manquait pas mal de cartes. Il me manquait un Break Sword, un Infinity. Une Dark Lady, enfin après d'autres cartes qui sont un peu moins cotées, mais j'avais vraiment 3 cartes cotées qu'il me fallait. Par chance, j'ai réussi à tout récup. D'ailleurs, il y a Loan qui a gagné d'ailleurs le championnat de Belgique cette année qui a réussi à m'échanger la plupart des cartes que je cherchais, donc big up à lui. Merci aussi à Edison qui m'a prêté un masque restrictif que j'ai oublié de lui rendre, donc t'inquiète pas, je te le rendrai dès que je te vois. Donc voilà, du coup j'ai réussi finalement à récupérer tout ce qu'il me faut et je commence ce CDF. Alors première ronde, je tombe contre un deck Phantom Knight Burning Abyss, donc P.K. Fire, et ce duel a tout simplement duré une manche. Donc en gros on a fait une manche qui a duré 40 minutes et à la fin et bien c'est lui qui gagne. Donc voilà, donc j'ai pas tout détaillé car vous doutez qu'en une manche qui dure 40 minutes il s'est passé beaucoup de choses. En tout cas la manche a duré exactement environ 39 minutes, donc du coup il restait 1 minute avant la fin du temps et du coup après on était censé passer au time. Et le judge a dit comme quoi le temps de sider et tout, enfin ce serait trop tard. Donc j'ai pas trouvé ça très correct. Je pense que on aurait quand même dû sider et faire au moins les 5 tours additionnels. Car j'aurais pu faire draw. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez dommage parce que je trouve que gagner un duel en une manche, c'est pas vraiment représentatif. Enfin, ça va pas être considéré comme une victoire, mais bon. Tant pis, on fait avec. Donc je suis à 0-1. Round 2, je tombe contre un Satan Arc Knight Demise. Donc pour ceux qui savent pas, Card of Demise, c'est une carte très forte qui permet de faire au maximum du plus 3 et qui est joué maintenant dans plein de decks et ça rend vraiment le deck beaucoup plus fort. Donc c'est joué dans Stellar Knight, Clifford, il y a une version Cosmo aussi et surtout la version Yosen. Donc voilà, là je suis tombé contre un Stellar Knight qui joue cette carte
Manche 1, le mec me fait Aeronaut plus Rivalry, je joue sa main deck, donc voilà, je peux rien faire, je la perds. Manche 2, j'arrive à lui faire le TK. Et manche 3, pareil, il me fait Aeronaut plus Rivalry, je peux rien faire. Donc voilà, et du coup, bah, il la gagne. Donc je perds 2-1 la deuxième, du coup, après 2 rounds, je suis à 0-2. Donc j'étais un peu dégoûté parce que je me dis qu'il faut faire X3 pour avoir minimum le tapis, pour être minimum dans le top 58, avoir le tapis, les protèges et la qualif. Donc voilà, je me dis que ça va être chaud parce qu'il me restait 7 matchs et il fallait que je fasse maximum une défaite en 7 matchs, quoi. Donc voilà, j'étais vraiment très déçu et j'avais peur de perdre après. Donc round 3, je tombe contre un deck héros. Héros, je trouve que c'est un deck, je dis pas que c'est pas fort, c'est très fort, mais dans certains formats, et là actuellement, c'est pas le deck le meilleur deck à jouer, quoi. Donc voilà, donc du coup, je gagne facilement 2-0. Donc je suis à 1-2. Round 4, je tombe contre un deck Blue Eyes. Alors Blue Eyes, il y a une grosse hype autour de ce deck. Enfin, il y avait, parce que là maintenant ça commence à. La hype commence à s'essouffler. Mais en gros, il y avait une grosse hype autour de ce deck. Ne me demandez pas pourquoi, moi-même je ne sais pas. Mais du coup, maintenant c'est. Enfin, moi personnellement, je trouve ça vraiment pas terrible. Donc voilà, donc je gagne facilement 2-0. Parce que pour moi, enfin après, ça peut être fort. Voilà, c'est comme Hero. Ça peut être fort, juste que c'est pas adapté au format, quoi. Blue Eyes contre des decks genre Cosmo par exemple, bah, ou Cosmo ou Monarque, bah, voilà, ça fait pas grand chose, quoi. Donc voilà, donc je suis à 2-2. Ensuite, round 5, je tombe contre un Red Raptor. Donc le Red Raptor pour moi c'est un L noir amélioré. Sauf que L noir, enfin j'ai jamais trouvé ça fort, donc du coup, bah. Moi bah, voilà, je gagne 2-0 assez facilement contre lui aussi. Donc manche 1. Bah ouais, j'ai tout, enfin j'ai ma loupe et tout, je gagne. Et manche 2, il touche tout son side, mais il a rien pour lancer son jeu. Donc du coup j'arrive à me débrouiller et j'y gagne le duel 2-0. Donc je suis à 3-2. Round 6, je tombe contre un Domain Monarch, donc le Monarch sans extra deck. Et clairement Monarch c'est vraiment ma bête noire, car c'est simple. Soit la première, il brique, enfin en gros soit il brique et je gagne. Soit il brique pas. Et j'ai pas de side, il gagne. Enfin voilà, en gros, c'est comme ça qu'il gagne. Et j'ai eu de la chance, car ben, la première, en gros, je la perds, car comme je l'ai dit, j'ai pas de side, donc je peux rien faire. Et les deux autres, donc la manche 2 et la manche 3, ils briquent. Et du coup, je gagne en gros parce qu'ils briquent. Donc voilà, donc du coup, après 6 rounds, je suis à 4-2. Donc pour quelqu'un qui a commencé à 0-2, je me dis que c'est pas si mal. Donc voilà, je me dis aussi qu'il faut que je gagne la dernière de la journée, donc pour terminer à 5-3 et du coup, enfin non, pour terminer à 5-2 et du coup être assez à l'aise pour le lendemain, parce qu'il restait 2 rondes le lendemain. Et donc du coup, je retombe contre un monarque qui cette fois-ci joue avec un extra deck, et là, malheureusement, les deux manches, il va pas briquer, et les deux manches, je vais pas toucher mon side. Donc voilà, donc malheureusement je la perds et du coup je termine la première journée sur le score de 4 victoires et 3 défaites. Ensuite le lendemain, donc round 8, je tombe contre un Domain Monarch, donc Monarch sans extra deck. Manche 1, il a une bonne main, j'ai rien, je la perds. Manche 2, je side 10 cartes. Donc après je me suis rendu compte que 10 cartes c'était un peu trop, mais bon, je side 10 cartes, je ne touchais aucune. Et donc du coup il a encore une bonne main, il a gagné. Et donc là malheureusement je me retrouve à 4-4. Et je me dis que c'est la fin pour moi, que dans tous les cas, même si je gagne la suivante et que je termine sur du 5-4, eh bien j'aurai ni tapis, ni playmat, ni calif, ni quoi que ce soit. Donc voilà, Voilà, je suis un peu déçu. Et donc du coup round 9, je suis contre un Blue Eyes. Donc voilà, j'ai dit que Blue Eyes, enfin clairement Blue Eyes pour moi c'est pas terrible. Donc manche 1. Je dois TK, manche 2, je brique que des vaisseaux. Donc voilà, j'ai que des vaisseaux. Lui, il me sort 3 dragons blancs, enfin il me fait un peu de trucs, donc voilà, je peux rien faire. Et manche 3, j'aurais largement, mais largement pu la gagner. Sauf que en gros, enfin, comme je l'ai dit, que je gagne ou que je perde, ça revenait au même. J'ai déjà mettre à 5-4 au pire des cas et. Dans tous les cas, ça, j'allais rien gagner, donc bon. Du coup, j'ai mal joué, j'ai plein d'esprit et je l'ai perdu. Donc, je termine ce CDF avec 4 victoires et 5 défaites.
Pour un Cosmo, c'est vraiment limite la honte, quoi. Donc voilà, enfin après, j'ai pas de regrets dans le sens où en gros, je me dis que, bon, à part la dernière qui n'avait pas l'importance où j'ai fait des misfaits, pour tout le reste, voilà, pour tout le reste, j'ai bien joué, j'ai plutôt bien joué, j'ai pas fait de misfaits. Donc je peux pas avoir de regrets en fait. C'est pas de ma faute si les mecs, certains mecs ont tout ce qu'il leur faut, quoi. Voilà, donc voilà, aucun regret. Mon avis au final sur Cosmo, franchement mon Cosmo pour moi c'est un deck super cool à jouer, enfin j'adore ce deck. Mais le problème c'est que vraiment dans ce format, c'est pas assez. Voilà, c'est pas assez contre Monarch par exemple. À partir du moment où ta victoire dépend sur le fait où le mec. Enfin à partir du moment où ta victoire dépend sur si le mec va briquer ou pas. C'est que c'est pas bon quoi, donc voilà. Donc du coup, pour la suite, au contraire, ce score ne va pas me décourager, au contraire, hein, je suis super motivé pour continuer et pour faire un tas d'autres tournois. Donc voilà, là du coup, à la fin du CDF, j'ai récupéré 3 cartes of Demise, et je pense tenter une version Cosmo Demise, donc voilà, pourquoi pas. J'ai vu que ça avait fait pas mal de top. Que le championnat d'Allemagne avait été remporté justement par un deck Cosmo Demise, donc pourquoi pas. Voilà. Aussi, je vais faire un petit big up à Timothée et Samy. Voilà, donc big up à vous les gars. Donc voilà, d'ailleurs, GG à Samy qui a joué Monarch sans extra et qui a fait un bon score, qui a terminé 80, non, qui a terminé 100e. T'as les 20e, il joue, qui a eu le playmat et tout, donc un gros GG à lui. Donc voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime à cette vidéo. N'hésitez pas également à mettre dans les commentaires si vous étiez présent au CDF. N'hésitez pas à mettre votre report dans les commentaires. Donnez votre avis aussi sur la performance que j'ai fait aujourd'hui. Que j'ai fait durant CDF. Donnez votre avis sur le deck Cosmo aussi. Le deck Cosmo Fire King et le deck Cosmo Demise, en bref. Lâchez-vous dans les commentaires, abonnez-vous si ce n'est pas fait, et aussi un autre big up. Alors j'ai deux autres big up. Un big up à Yuan, alors Yu-Gi-Oh! TK ou Yuan le singe, que j'ai croisé là-bas cette année, et qui est un mec super sympa, et qui a fait aussi un. Bon, il a pas fait un score ouf, mais enfin il a fait un score quand même, il a fait un score plutôt pas mal, il jouait Luna Light. Donc pour un deck Luna Light, son score était quand même pas si mauvais que ça. Merci aussi à Edison, qui m'a prêté un masque prestrict que j'ai oublié de lui rendre, donc t'inquiète pas Edison, dès que je te renvoie, je te le rendrai. Et aussi, big up au gars, alors je jouais à ma dernière ronde, il y a un mec qui était à côté de moi et qui m'a reconnu grâce à ma voix. Donc big up à toi aussi si tu passes par là. Et donc voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et bye les gens.